Bonsoir à tous et à toutes pour un tuto qui va porter sur le dernier navigateur internet de Microsoft qui vous est proposé dans son dernier OS, j'ai nommé Windows 10. Alors sous le nom de Microsoft Edge, on va essayer de voir un petit peu comment se présente ce nouveau navigateur amené à supplanter l'ancien browser de Microsoft, j'ai nommé Internet Explorer dans sa version 11 ou 12, je sais même plus. Oui, ça existe 12, puisqu'apparemment vous l'avez aussi sous Windows 10, le Microsoft Internet Explorer 12, mais caché. Donc, on va aller voir ensemble où se passe tout ça. Microsoft Edge, donc le navigateur par défaut de Windows 10, est proposé à l'installation et il s'affiche sous forme de tuile dans votre nouveau menu de Windows 10. On va l'ouvrir. Alors, il est très sobre. C'est quelque chose qui a mené à avoir des mises à jour, donc c'est un navigateur qui va bénéficier de mises à jour, et notamment dans la prochaine grosse mise à jour Threshold 2 qui est amenée à sortir ce mois-ci, si je comprends bien les infos. Donc au mois de novembre, il y aura une grosse mise à jour et qui va permettre apparemment, enfin on soupçonne, de pouvoir rajouter des extensions, des plugins, comme ses concurrents de toujours, Chrome, Firefox, Mozilla. Parce qu'effectivement, ceux qui ont pu naviguer avec Microsoft Edge se sont aperçus qu'il n'y avait quasiment aucun plugin. Alors ça n'est pas tout à fait vrai, mais ça n'est pas tout à fait faux. Il est livré par défaut avec deux plugins qui sont intégrés de base sur Microsoft Edge. C'est le plugin Flash Player. Et il me semble le plugin d'Adobe Reader pour le format PDF. Voilà. Alors, une petite parenthèse sur Adobe Flash, le plugin Player, puisqu'en fait, apparemment, il va s'éteindre. Voilà. Alors, pour mieux me faire comprendre, il va être amené à disparaître, en fait, ce plugin Adobe Flash Player que vous connaissez depuis de nombreuses années, pionnier dans le multimédia. Et bien, apparemment, Google a décidé de l'enterrer, ce plugin, puisqu'en fait, beaucoup trop vulnérable au niveau sécurité. Voilà, même s'il a fait ses preuves, et malheureusement, pour ses raisons de sécurité et autres, plus obscures peut-être, ils utiliseront apparemment du code HTML5 pour diffuser et vous faire parvenir du contenu multimédia online. Voilà la parenthèse fermée. Alors, il y a des petits boutons sur Microsoft Edge, parce que c'est très sobre, et vous allez aller là où il y a les trois petits points, c'est la fenêtre de paramètres. Ça va vous ouvrir les paramètres, ici, paramètres. C'est là que vous allez pouvoir définir un thème clair ou sombre, comme vous le voyez actuellement. En clair, ça donnerait ça. Et en sombre, évidemment, ça. C'est ici, j'en profite, que vous afficherez le volet des favoris qui n'est pas coché par défaut. Donc normalement, voilà. Vous n'avez plus l'espace pour ajouter vos URL en raccourci dans le volet des favoris. C'est ici que ça se passe. Il faut l'activer. Et là, vous voyez, j'ai déjà bookmarké des favoris. Alors, pour bookmarker des favoris, on va voir un petit peu ici, vite fait. Ben, vous voyez, vous avez une icône en forme d'étoile, comme sur d'autres. Et là, vous allez créer votre favori dans favoris, mais la possibilité aussi de le mettre dans volet des favoris. La nuance. Et vous l'ajoutez, hop, ça y est, il s'est mis dans le volet, la barre là, des favoris, accessible à votre souris. Alors, tant que j'y suis, puisque je vois que c'est possible, une des nouveautés, effectivement, de Microsoft Edge, c'est de vous offrir la possibilité de débroussailler un petit peu une page web, si elle le supporte, évidemment, en mode lecture. Ici, le bouton. Alors voilà, vous avez affaire maintenant à une page web épurée. Alors ça, c'est un avantage, c'est que évidemment, vos yeux, ils sont plus captivés par tout ce qui pollue autour et vous vous attachez vraiment à lire, comme vous liriez sur un livre, à tête reposée. Voilà, d'accord? C'est moins fatigant pour les yeux, c'est moins flashy. Et puis voilà. Alors par contre, il est possible aussi, par ce biais du mode lecture, de l'ajouter en favori, mais dans liste de lecture. Donc vous voyez, vous cliquez encore sur l'étoile et au lieu de rester sur favori, vous cliquez sur liste de lecture et vous faites ajouter. Voilà. Et en fait, c'est intéressant si vous repérez un article qui vous a plu, vous n'avez pas le temps de vous y coller, vous l'ajoutez dans la liste de lecture et quand le soir vous rentrez de vos activités, licites ou illicites, lol, et bien en fait, vous prendrez le temps de lire dans cette liste de lecture. Voilà.
Et alors, ça se passe par contre sur ce petit bouton en forme de traits horizontaux ici. Vous voyez, il y a quatre icônes. Ça, c'est l'icône pour accéder au dossier des téléchargements. Voilà. Ça, c'est l'icône d'historique où vous pouvez tout effacer d'un clic de souris. Et ça, c'est la liste dont je vous parlais de lecture. Donc, vous aurez tous les bookmarks en liste de lecture qui s'afficheront ici et vous choisirez, vous ferez voilà, votre tri et vous sélectionnerez l'article qui vous intéresse. Et ça, c'est l'icône, c'est des favoris. D'où vous pouvez aussi cliquer pour importer des favoris d'un autre, voilà, hein, d'un autre navigateur. On en a fini avec ce bouton-là des tirets horizontaux. Je vais revenir un petit peu sur les paramètres ici, là. Après, je vous dis, c'est pas du tout exhaustif, hein, Microsoft Edge. Hein. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une page paramètres. Hein, vous adaptez au style de votre lecture. Ça, c'est pour ceux qui ne voient pas très bien. Donc, une grande police, très grande police, etc. Ça se règle ici. Voilà. Vous retrouvez aussi hein, ce dont je vous parlais, importer les favoris depuis un navigateur. Vous l'avez ici. En fait, on a un petit peu une fonction en double. Hein. Après, alors, ce qui est intéressant, si on peut dire, c'est d'afficher les paramètres avancés. Puisque c'est là où vous allez gérer donc l'affichage ou pas d'un bouton d'accueil. Ici, la petite maison dans la prairie. Un petit peu comme tous les autres navigateurs. Et là, vous allez choisir hein, l'URL sur laquelle ouvrir votre page d'accueil, si vous le décidez. Sinon, ça restera sur la page de démarrage de Microsoft Edge. Voilà, on enlève ça. Alors, je vous l'avais dit, hein, le plugin Flash Player, qui est déjà intégré, vous pouvez le désactiver, l'activer à volonté. Bon, ça, je passe. Voilà, au niveau de la confidentialité. Hein, voilà, vous pouvez désactiver, envoyer des demandes, ne pas, voilà, ne pas traquer, si on pourrait traduire en français. Proposer d'enregistrer les mots de passe ici, vous l'activez ou le désactivez selon vos envies. Alors voilà. Par contre, évidemment, Microsoft Edge propose son moteur de recherche concurrent de Google par défaut, qui lui est Bing. Donc voilà, et c'est là où vous allez pouvoir définir un autre moteur de recherche avec lequel vos recherches s'effectueront via Microsoft Edge et utiliser celui de votre choix. Voilà, tout ça c'est relatif à la confidentialité au même titre que quand vous allez interroger Cortana. Si vous allez dans paramètres de Cortana, voilà, hein, rechercher en ligne inclure les résultats web, si vous l'avez activé, il va les rechercher avec Bing. Voilà, d'accord. Bon, après, ça, c'est du classique, hein, tout ça. Après, moi, je voilà, pour finir, je vous laisse, je vous conseille de laisser activer hein, le filtre Smart Screen sur les sites un petit peu douteux. C'est une protection, on va dire, minimaliste. Hein, ça mange pas de pain de l'activer, hein, franchement. Autant que vous la gardiez activée. Alors après, je vais terminer rapidement avec la fonctionnalité de ce navigateur Edge. C'est la possibilité d'annotation, ici, avec l'icône en forme de crayon. Vous pouvez annoter d'une manière infantile, voilà, vous faites des gribouillis en fait, vous taguez, non je déconne. Donc là par exemple, vous pouvez mettre en valeur un titre, une phrase qui vous a marqué, hein, au Stabilo Boss, ici, voilà. Et vous pouvez, grâce à cette icône que vous reconnaîtrez à force de l'utiliser, c'est partager. Vous pouvez partager donc cette annotation par courriel ou alors sur OneNote, l'application de Windows, de Microsoft, pour prendre des notes hein, et après les synchroniser avec votre téléphone, tout ça, etc., etc. Donc vous pouvez enregistrer tel quel ou alors quitter, voilà, après avoir partagé, si vous ne voulez pas garder de traces, de ces gribouillis, de ces graffitis qu'il va falloir après effacer laborieusement grâce à la gomme. Vous voyez, des fois, alors ça je sais pas pourquoi, ça marche pas tout le temps hein, la gomme. C'est un peu bizarre. Vous voyez, j'ai beau cliquer, je comprends pas. Bon, hein, vous ferez des tests chez vous. Après, vous pouvez aussi coller des petites annotations comme ça. Vous hein, voyez, voilà, sous forme de bulle. Tout va bien. Voilà. Vous la laissez telle quelle.
Hop, vous enregistrez ou vous partagez au choix. Vous en avez marre ou la jetez. Pareil, un outil ciseau. Voilà. Copier. Bah, ça permet de faire une espèce de capture d'écran, on va dire. Et après de partager, voilà, la mettre en avant. Mettre en avant une partie de la page que vous avez repérée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Microsoft Edge, sachant qu'effectivement, j'attends d'en savoir un petit peu plus avec la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 ce mois-ci, pour voir effectivement les nouveautés qu'il y aura. Je serai peut-être amené à faire un tuto, même si c'est pas du tout passionnant pour moi, Edge. Et donc, sur ce, les loulous, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne après-midi, où que vous soyez. Et sur ce, faites-vous pas chier. Ciao, ciao!